Champagne, Gilles, s'il te plaît. Merci. Allô ? Quatrième étage. Quatrième. Merci. À tout de suite. Faites en ce moment, préparez un. Je viens de finir un nouveau livre que qui va sortir quoi. Non, qui va sortir en mars. Ah oui, je n'ai pas lu, mais je sais qu'il existe. Jean-Louis Lévy est mort. Le premier, non. C'est le quatrième. Hella, bonsoir. Hello. Salut André, ça va? Bonjour. Thierry. Bonsoir, oh, quel endroit. Salut Christine, ça va bien? Ouais. Ah, c'est pas très Putmania ici, c'est quand même... Oh, mais ça c'est quand même bien un peu, fou. Un peu rococo, quand ça même. Ça fait beaucoup de bien. Ouais. C'est excellent. Mettez vos affaires sur le lit, André. Ça va? Oui. Carlos. Bonjour. C'est avec Guy Martin au Grand Beffour qui nous fait à manger. C'est dîner quoi ce soir, Carlos? C'est carpaccio de Saint-Jacques au citron. Ça tombe bien. Blanc de poulet fermier avec champion de Paris. Ouais. Magnifique. Puis vapeur. C'est bon, c'est dîner blanc ce soir. C'est dîner blanc, oui. Dîner blanc, voilà. Ouais. On a une couleur par dîner. Ah oui, c'est une ce soir, c'est dîner blanc. Ouais. Et ça ne poserait pas de problème de fermer la fenêtre? Pas du tout, André. Pourquoi vous avez froid hein? Un tout petit peu froid. Alors cet appartement, ça vous va, André, là vous avez... Parce que là, j'étais terrorisé à l'idée de vous recevoir, parce que j'ai dit que c'est... quand même, c'est une spécialiste. Ah non, mais la cuisine... Bon, ça va. M'enchante. J'adore. C'est difficile. J'apprends tel quel. Je ne vais pas vous enrhumer, au moins, ce soir, André. Non, mais je suis enrhumé au départ, je veux dire. Vous avez une énergie. Moi, je te rends compte qu'avec André, on était quand même au fait du palace. C'est en quelle année? Au début des années 80, dans les années 80, oui. Plutôt fin 70. Voilà, fin des 70. On n'a pas raté le début du tout. On était ensemble au fait du palace. Hein. Qu'est-ce que c'était bien amusé. C'était bien, ouais. On ne rit pas du tout de la même façon. C'est pas pareil, il y avait un mélange. Moi, je me souviens, parce que je raconte toujours cette anecdote, mais un matin, 7h du matin, sur les escaliers du palace, je vois Yves Saint-Laurent assis à côté d'un garçon coiffeur, enfin, voilà. Oui. Et cette espèce de mélange comme ah ça, oui. On l'a plus jamais revu après. Au fond, il y a eu à New York le club Fifi-Fou. Voilà, c'est ça. Alors, qui a copié qui, ça, je sais pas. Je veux bien que Fabrice Aymer ait copié le studio 54, mais c'est vrai qu'il y avait cette idée de mélange qu'on n'a plus jamais... Enfin, moi, j'ai plus jamais vu ça. Pas cette impression-là, en tout cas. Et pas le mélange de génération. Non, plus. Non. Ça me donne le nez rouge, l'alcool. Ouais. Alors, et la maison de BHL, alors, à Tanger? Parce que je suis allé à Marrakech il n'y a pas longtemps. Oui. Et ils m'ont parlé de cette maison que je n'ai jamais vue. C'est comment? C'est très émouvant parce que c'est un endroit tellement sauvage, tellement que ça peut faire un peu peur. Et j'ai compris, au fond, qu'il faut qu'il y ait un endroit de travail et qu'il y a beaucoup à faire avec l'écriture, avec... À la base, il y a quand même une maison qui existe. C'est pas une maison que vous construisez. Ouais. Mais on a cru qu'elle était bien, mais c'était une erreur. Ouais, ouais. Elle était impraticable, en fait, et assez mal construite.
Mais le site est confondant. C'est comme la maison du... C'est comme la maison du... Il y a du mépris, c'est ça ? Ouais, Malapart, c'est ça, dans l'air. Ah, c'est ça, c'est une maison moderne. Oui, très moderne. Ah oui, ce sont trois cubes très mal assemblés. Ouais. Un peu de travers et dangereux à la longue pour avec la plus belle vue raffinée. Du monde devant, il y a l'infini, non ? Il n'y a que la mer. Et alors, très vide, ça va être très vide. Et ça va être très sans couleur, comme ça, comme le sable. Et avec des conforts formidables, avec une espèce de petit palais pour Ariel. Un palais, salle de bain, closette, et puis un très très beau bureau pour Bernard. Une série de cubes posés les uns sur les autres. Ouais. Au fond, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ça ne sera pas aussi agressif que la maison de Malapart, qui est tout de même presque inquiétant. Ouais. Vous étiez à Marrakech récemment, là ? J'ai honte de dire, jamais été au palace, je ne sors jamais le soir. Il y a eu des... Il s'est passé quelque chose, et André était là. Et vos enfants, comment ça va ? Quatrième étage. Oui. André, comment va Olivia ? Elle est toujours dans le paysagisme, les jardins, avec les murs. Oui, je sais. Ouais. Il s'en est sorti quand même. Il est bien maintenant, oui, ça va. Bien sûr. C'est Bernard, je pense, à tout de suite. Ouais. Bernard, le 93. Ça va ? Comment ça va ? Très bien, je suis avec André. Viens, je suis avec André. Je ne suis pas le premier. Non, elles sont arrivées toutes les deux un peu en avance. Assieds-toi. Elles sont en avance comme des filles bien élevées. Voilà, on a voulu être épatantes. André, petite surprise. Oui, j'arrive équipé. Parce que c'est drôle. Alors la mienne, c'est Saint-Germain-des-Prés. C'est le disque où vous êtes ? Absolument. Oui. On va l'écouter tout à l'heure. Mais j'attends que tout le monde soit là. Je voudrais être sûr qu'il est là. Parce qu'André avait eu la délicatesse de ne pas la porter, je suis sûr. Bien sûr. Et bien, heureusement qu'elle a des bons copains qui y pensent. Voilà. Oui, ça c'est inouï. Voilà. Comment ça va ? Mais ça va pas mal. On en était à Cyril Putman, fils d'André Putman. Ex-punk. Jamais d'eau. Jamais d'alcool. Qui a survécu. Non, je veux bien en revanche de l'eau minérale, s'il vous plaît. Il y a de l'eau minérale et du jus de fruits, si tu veux, non ? L'eau minérale. Ça va ? Très bien. T'étais où, là ? Aux États-Unis, non ? Là, j'arrive des États-Unis, absolument. Ouais. Et alors ? Bah, oui. Ils ont acheté ton livre, j'espère. Petite aventure continue. Comme des fous, ils ont acheté le livre. Voilà, ils ont tendance à l'acheter un peu comme des fous. Ah oui. Les gens sont sensibles au fait qu'en effet, un Européen, et en particulier un Français, se soit appuyé le boulot, quoi, et mener cette bizarre aventure. Non, mais c'est le livre qui a... Il y a eu, un bouche à oreille avec le... Je crois qu'il y a déjà le principe. C'est-à-dire qu'en vérité, l'histoire... Je me rappelle quand j'ai annoncé à Olivier Nora, il y a un an et demi, que j'allais consacrer un livre à la mort de Daniel Pearl. Mmh. Olivier, qui est un très bon observateur des États-Unis, m'a tout de suite dit, écoutez, faites-le si vous voulez, ça sera sûrement pas mal, mais faites attention, il y aura, avant l'apparition de votre livre, 18 livres écrits par des journalistes américains sur le même sujet. Enfin, sachez-le, très bien, je ne vais pas vous... Donc j'ai fait le livre persuadé qu'il y aurait 18 livres. Et finalement, il n'y en a pas eu. C'est quand même très intéressant. Ce qui pose une vraie question sur la manière dont les Américains... Les Français sont incapables de parler de leur histoire à eux, donc peut-être que les Américains, c'est pareil, parce que regarde le livre de Beck Bédé. Oui, mais... Il n'y a pas eu un livre aux États-Unis qui raconte le 11 septembre, il n'y a pas eu un livre aux États-Unis qui raconte Daniel Pearl. Donc peut-être qu'ils ont autant de mal. C'est vrai. Mais en même temps, Thierry, quand Pierre Beck, je me rappelle... À la tienne avec une eau minérale grand cru, ma chère Christine. Qu'est-ce que tu fais alors ? Tu travailles un peu en ce moment ? Je viens de rendre mon nouveau roman. J'ai l'impression. Qui normalement sortira en mars. Et alors, c'est quoi le prochain bouquin alors ? Tu peux dire un peu, non ? Le pitch. Qu'on se prépare. Ça va être sur la mélancolie du dimanche. Ah ouais, c'est terrible. C'est un bon sujet. J'y pense tous les dimanches. Parce que moi, quand j'étais petit, on me ramenait au collège où j'étais interne le dimanche en fin d'après-midi, qui c'est quand même l'époque la plus dure de ma vie, dans la voiture. On me ramenait au collège où je restais des fois 15 jours, 3 semaines sans voir mes parents. Donc. Et même maintenant, où je vais en Normandie,
Le dimanche après-midi, j'ai toujours un vieux spleen quand même. Et Béatrice, c'est pareil aussi. Parce qu'on l'a amenée à la Légion d'honneur le dimanche après-midi. Toi, ça dépend des nouvelles du dimanche matin, non? Ça peut aider. Une bonne audience. Une bonne audience le dimanche matin. À 35% le dimanche matin, le moral est au beau fixe. Mais quand même. Une Star Academy en face. Attends, je connais le. Mais la campagne, plus le dimanche, faut avoir un moral d'acier quand même. Pardon? La campagne, plus le dimanche. Plus le dimanche, plus les audiences. Plus le dimanche. Non, mais lui, son problème, c'est le coup de téléphone de 11h. Il en a parce que tu fous là. Je crois que c'est Antoven. Et en retard, comme d'habitude. Ouais. Camarades, qui sont en retard, ça ne m'étonne pas. Quatrième étage. Mais, de quelqu'un tu es incroyable pour le choix de tes sujets. C'est... On y va. Je vais improviser. Dis-moi, Christine a des sujets pitchables immédiats. C'est fort. Non, c'est fort parce que c'est vrai. Béatrice, on en parle souvent de ça, me dit. C'est un... Voilà, mec. Oh, putain. Et j'ai envie de l'appeler la mélancolie du dimanche. Mais c'est fini, c'est tout, oui. Des dimanches. Des dimanches. Du dimanche. Du dimanche, tu crois. Ça se passe un dimanche. Ouais. Et... T'es beau, hein, quand même. C'est pas mal, hein. Il y a du succès, tu sais. Ouais, je sais que t'as du succès, ça, j'en entends parler. Elle lui dit du dimanche. 6 jours de philosophie. Et un jour de Talmud. Ouais. Non, il vaut mieux appeler la mélancolie des dimanches. Mais ça se passe un dimanche. Ça fait rien. Qui profite. Bah viens, on passe. Ne reste pas. Bon, voilà. Hein? Passons, on a frôlé le désastre. Il est occupé. Ah, comment ça va? Salut. Oui. J'avais peur de faire tromper l'étage. Ah non, salut. Ça va? Et monsieur Rabisson est là? Eh oui, monsieur Drey. Bon, ben alors, on vient de boire des coups dans la cuisine, mais là, on va passer à table. Ah! Ouais, ouais. Bah, écoute, nous, on était à l'heure. Détournez la table. Si vous branchez. Bon, alors, les places. Alors, Bernard ici. Christine ici. Gilles ici. Julien ici. Gilles ici. Asseyez-vous. Chef. Ça va? On est bien? Je croyais que t'étais plus Rolling Stones que Beatles. Ah non, je suis plus Beatles que Rolling Stones. Ah non! Dis donc, il y a du monde, hein? Faire coexister Alain Delon et Benny Lévy, c'est fort quand même, non? C'était tout le pari de Gilles dans ce premier numéro. Mais la règle du jeu, ça s'est arrêté à un moment, non? Ça a commencé en 89. Ouais. Après, enfin, on dit que, parce qu'on se colle toujours à de grands événements, à la chute du mur de Berlin. Ouais. Voilà. Bon, boum. Et puis ça s'est arrêté 10 ans après, un peu moins d'ailleurs. Oui, 10 ans après, quand il y avait comme ça, quand ça allait mieux. Ouais. Et puis maintenant que ça va moins bien, ben, ça repart. Enfin, que ça va moins bien pour le monde. Au début, pourquoi vous l'avez fait cette revue? Mais c'était les guerres des Balkans. Pour la raison, non, pour la raison que dit Gilles. C'est-à-dire, c'est vraiment la décision de créer la règle du jeu, c'était la nuit de la chute du mur de Berlin. On s'est retrouvés, Jean-Paul, Gilles, Rostropovitch, moi, un coup de violon, et nous, on a décidé. Voilà. De... Et on s'est dit, un nouveau monde commence, ça ne va pas se passer forcément comme une vallée de roses, il y aura des convulsions, des crispations, des drames, des machins, des nationalismes qui vont revenir, des guerres qui éclateront dans les Balkans. Le réveil des nations, comme disait notre ami Mac, et voilà, il faut essayer de penser ça à partir et de réagir mur, à ça. Il y allait avoir des guerres en Europe, voilà. Ouais. Puisqu'avant, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de dimanche de l'histoire. Il y avait des optimistes parmi nous qui disaient, à partir de la chute du mur, fin de l'histoire, démocratie générale, tous ces pays libérés de la botte communiste, etc., vont se retrouver dans la démocratie miraculeuse, messianisme démocratique. C'était d'ailleurs les plus pessimistes d'entre nous qui croyaient à cet optimisme historique. C'était en gros ta position. Jean-Paul Gémat, attendez les enfants, c'est terminé. Il ne se passera plus rien, etc. Et il y avait ceux, comme Gilles ou moi, qui disions pas du tout. La fin de l'affrontement entre communisme et démocratie veut dire la relance d'autre chose. On va voir apparaître des horreurs, des espèces de trucs bizarres, des nationaux communismes, etc. Et l'histoire se remettra en mouvement pour le pire. Et c'est pour penser ce pire qu'on s'est dit, on va créer ce machin-là. Le pire s'est un peu calmé. Oui, mais un autre pire est arrivé. Donc la revue s'est arrêtée. Ouais. Et puis, comme tu es sans doute au courant... Un autre pire arrive. Ouais. Et la revue redémarre. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Il y a des revues qui démarrent sur d'autres choses. Le 9 novembre au soir, qui est la date la plus incroyable de l'histoire du XXe siècle. Hein. Le 9 novembre, qui est la chute du mur.
C'est aussi le... Qui est la nuit de cristal. La nuit de cristal. La mort de Gaulle. Et qui est... La nuit de cristal. Attendez, la chute du mur, la nuit de cristal. Et le jour du premier putsch d'Hitler, là, le putsch de la brasserie de Munich, c'est le 9 novembre. Incroyable. Ce qui a fait dire d'ailleurs aux observateurs les plus paranoïaques de la kremlinologie officielle de la fin du XXe siècle, que c'était bien la preuve que c'est le KGB qui avait fomenté la chute du mur. Les gens se sont dit, pour que ça soit tombé ce jour-là... En Allemagne, en plus, franchement, c'est une date allemande. C'est forcément une intention maligne. Oui. Donc, date allemande, le fascisme a repris le pouvoir, les conquêtes de la classe ouvrière... Gilles, qu'est-ce qu'on mange, là? Alors, ce soir, le chef, M. Martin, vous a préparé un dîner blanc. Un dîner blanc, alors qu'est-ce qu'il y a? Carpaccio de Saint-Jacques, avec parmesan et vinaigrette au citron. Et après? Sans oignons. Filet de poulet à la vapeur. Sans ail et sans oignon, c'est ça, toi? Sans ail et sans oignon. Pour une fois, il n'a pas fait le menu, tout de même. Tu sais que c'est la seule phrase qu'il sait dire dans toutes les langues du monde. Ouais. Sans oignon. Ah ouais, sans without garlic. Sans chorizo, c'est pour ça. Ouais. Without garlic et quoi? L'oignon pourrait être tué. Onion and garlic. No garlic. I can die. L'oignon pourrait être... Ahoy, c'est boya. Alors, je sais le dire, en effet, dans pas mal de langues. Il augmente à chaque fois, parce qu'il y a un moment où il dit, vous savez, s'il y en a... Parce qu'ils soupçonnent tout de même qu'on ne le comprenne pas assez dans les langues qui parlent. Je soupçonne qu'on me mente. Oui, et qu'on lui mente et qu'on se dise, après tout, on ne va pas. Bon, déjà, la bouffe est faite, etc. Et donc, il dit, je peux mourir. Je peux mourir. Ah oui, ça, ça. Alors, on est un peu... Je monte la chose aux extrêmes et je dramatise. Parce que je me suis rendu compte que les gens passent leur temps à te dire, il n'y a pas d'avis. Il n'y en a pas. Alors qu'il y en a. Oui. Quand tu creuses un peu, tu penses qu'il y en a au fond de la casserole ou qu'ils ont mijoté. Non, mais c'est quoi? C'est psychologique ou c'est sanitaire? C'est psychologique. Ah bon? Je te fais un aveu ce soir. Ouais, c'est psychologique. Tu n'aimes pas l'oignon et l'ail. C'est pas un truc qui peut déclencher chez toi des allergies mortifères, non? C'est ce que je disais jusqu'à ce soir, que je ne pourrais plus dire aujourd'hui, mais c'était un mensonge. Je pense que Bernard, il aime bien l'idée d'avoir des phobies majeures. Ouais, ouais. C'est rare d'avoir d'aussi grandes et aussi constantes phobies, quand même. Nous avons quelques points communs du côté de la lointaine origine. Alors je me demandais s'il n'y avait pas là de la... T'es d'Algérie, toi, Julien? Oui. Tout le monde est d'Algérie, là. Benissaf? Non. De quel coin? Oran, moi. Oh, c'est pas très loin. C'est à côté, ouais. Évidemment, toi, t'es d'où? Je suis à Mascara. Voilà. Toi? À côté de l'endroit dont vient de parler Julien, c'est-à-dire Benissaf. Petit port de Sardaigne. Petit port où le père de Julien venait en vacances l'été. C'est en tout cas ce que j'ai appris beaucoup plus tard. Vous êtes amis d'avant. Mais non, parce qu'on n'a jamais vécu en Algérie, ni l'un ni l'autre. On y est né, mais on n'y a pas vécu, nos parents y vivaient. Tu sais où il est né? Dans quelle rue il est né? Tu parlais de ta naissance. Il est né à Benissaf, dans une rue qui portait le nom, la rue Karl Marx. Non. Ouais. Ah bah oui, un rue Karl Marx. Oui. Un rue Karl Marx. C'est pour ça que quand l'Observateur titre cette semaine « Karl Marx, penseur du XXIe siècle », je lui dis, attendez, ne plaisantez pas. Mais pourquoi? Comment ça se fait qu'il y avait une rue Karl Marx? C'était Parce avant. Parce que c'était un village socialiste. Ah bon? Socialiste français, avec un maire qui était qui s'appelait Gabriel Gonzalez, qui était une sorte d'oncle à moi et qui était un pivertiste, la gauche du parti socialiste. Marceau-Pivert. Voilà. Et donc ils avaient débaptisé les rues. Il y avait une rue Jules Guesde, une rue Karl Marx, une rue. Des places Jean Jaurès dans tous les quartiers. Voilà. Et donc je suis né à rue Karl Marx. Et la caractéristique de la ville de Benissaf, c'est que c'était une ville où on produisait beaucoup d'anchois. Et par rapport à Oran, c'est où? Ah, c'est un jour. 50 km à peu près, hein? Je crois, 60, non? Tu sais que j'ai habité à côté d'Oran, moi. T'habitais où, toi? J'habitais à Ineltur. Ineltur, c'est le port d'Oran, en fait. Ouais. Moi, j'allais à la mer. T'es pied noir, toi aussi? Je suis pas pied noir, mais mon père. Entrer dans le club, là. Franchement, parce qu'elle est née au Maroc. Premier voyage. Non, mais moi, mon père faisait la base de. Grand-père, c'est vrai. La base de Mercel Kelly. Ah, voilà. André a un grand-père, oui. Allez-y, la parole. C'est l'hypotentiaire de Lyotech. Ah, mais ça, c'est trop chic, là. Ben oui, mais c'est. Non, là, c'est petit pied noir, là. Nous, c'est la plèbe. C'est la plèbe. Non, moi j'habitais dans la cité où les gens qui construisaient la base de Mercel Kébir habitaient. J'ai passé 4 ans là, j'ai commencé mon école à Bouisville, chez les religieuses et tout. Ouais. Et alors, il y a deux choses qui m'ont marqué, c'est d'abord de démarrer ma scolarité là-bas. Et ensuite, quand j'avais 16 ans, à Salon de Provence, quand j'ai vu arriver les pieds noirs, j'ai vu comment ils ont été traités par les gens ici. Horriblement. Ce qui fait que j'ai gardé une espèce de sympathie, même Bernard Montiel, est arrivé à acquérir ma sympathie l'autre soir, parce qu'à un moment, il raconte dans son bouquin des horreurs sur tout le monde, et sur moi pour commencer, mais à un moment, il dit qu'il est pied noir. Et là, d'un seul coup, rien que pour ça,
J'ai dû sera beaucoup pardonné, c'est pas Bernard Montiel. Et j'ai fini par être sympa avec lui, rien qu'à cause de ça. Allô ? Quatrième étage. Quatrième étage. Quatrième étage. Quatrième étage. Mettez dans une machine à laver qui ça le blanchissait. Hein, il avait un rêve régulièrement terrible. Oui, mais normal. Ah, bonsoir. Comment ça va? Très heureux. Ça va bien? Ça va bien. Franck Olivier Gisbert, mesdames, messieurs. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va, tout va bien. Bonjour. Salut. Salut. Je suis heureux. Et toi là, merci d'être venu, France. Comment ça va? Bah oui, je suis désolé, je suis en retard. J'étais chez... Il y avait Gilles Pudlowski qui présentait son guide, là. Son guide gastronomique, c'est le grand truc avec tous les chefs. Mais au pont, on est très occupé parce que quand c'est pas ça, il y a le pot pour Jacques Pyramette qui vient de recevoir le prix Goncourt. Et puis, Schneider qui vient d'avoir le Médicis. Michel Schneider qui vient d'avoir le Médicis. Ah ouais, ça marche bien le point. Ouais, ouais, ouais. Ils sont tous des prix. Non, sauf mais sérieusement. Nous. Sauf nous. Et puis alors, il y a Luc Ferry qui devient ministre. Ouais. Ah non, mais c'est un bon plan. Et Bavrez, c'est chez vous aussi. Oui, Bavrez, c'est chez vous. Et puis d'ailleurs, Revel. D'ailleurs, ce matin, Revel, à la conférence France dit, il y a un truc qui ne va pas. Quand on est au point, on a soit le prix Goncourt, soit on est ministre, soit on a des prix littéraires partout, ou des best-sellers comme Bavrez. Qu'est-ce qu'on fait là, nous? C'est bien vrai, d'ailleurs. Hein, tu as posé la question ce matin. Que ceux qui n'ont pas de prix se lèvent. Je vais te dire une chose, Franck. Je n'ai pas fait fortune dans la flagornerie, mais je trouve que le point, en ce moment, est assez vif. L'idée, c'est de faire le journal où ça se passe. Et quand faire le journal où ça se passe, c'est vrai qu'il faut... C'est assez vif. D'abord, il faut effectivement avoir un peu d'ubiquité. C'est-à-dire là, être un peu partout. Là, je suis désolé, je suis en retard. je cours dans tous les sens. Mais je crois que les idées, d'ailleurs, Thierry, les idées, on les vole. Moi, les idées, ça se vole dans les dîners, dans les journaux. C'est ça, les bonnes idées. Parce que les idées n'appartiennent à personne. Les idées n'appartiennent à personne. Je t'ai volé une idée l'année dernière. C'est sans doute une idée que j'ai volée. Je ne sais pas, c'était sur le livre de Minck. Quand j'ai reçu Minck, tout le monde en parle, j'ai fait comme toi dans le point, c'est-à-dire que j'ai mis en face de lui tous les gens qui m'étaient en cause. Tu l'avais dit d'ailleurs, tu l'as dit à l'antenne. Bien sûr, bien sûr, moi je ne me suis pas... T'étais à l'inauguration du quai Mitterrand, là ? Je le crains. Si on parlait du métier d'homme politique, qui est un métier incroyable. Est-ce que tu avais été invité ? Travail. T'as pas été invité, toi ? À l'inauguration du quai Mitterrand, non. Pourquoi serait-il ? Pourquoi je serais pas hiérarche de la Mitterrandiste. Je crois que c'était très trié sur le volet, quoi, les Mitterrandistes de choc et historiques. J'étais invité. Non. Toi, tu es un Mitterrandiste historique. Non, bah attends, tu as soutenu Dumas, tu as soutenu Mitterrand, tu as soutenu tout le monde. Mais comment ? J'ai critiqué Mitterrand. À cette époque-là, des gens comme toi disaient tu vas trop loin, souviens-toi. J'ai lu un grand papier dans Le Monde. T'as écrit combien ? Tu disais je diabolise Mitterrand. Tu l'as soutenu sur la fin. Mais je suis libre, moi. Mais tu l'as beaucoup réhabilité à la fin. Bah, je l'aimais bien. Moi aussi, non, mais moi j'ai... Une crapule sympathique, un petit côté imposteur, tout ça. Mais j'aimais bien, il nous manque, on l'aimait bien. Moi j'aimais bien, Mitterrand. Et dis-moi, alors qu'est-ce qui s'est passé? Tellement intelligent. Jospin a été applaudi, c'est vrai qu'il a été applaudi debout. Jospin, quand il est arrivé, il a été très applaudi, c'est vrai. Il va être candidat, tu crois? Ah ben, ouais. Quelle leçon politique en tires-tu, monsieur le porte-parole? J'en tire aucune leçon, mais c'est vrai qu'il a été très applaudi. Les gens sont levés, ont été... Il y a eu un petit moment d'émotion. Comment tout le monde se donne un mal de chien pour être bon à 5 minutes pour convaincre, pour savoir, avec cravate, sans cravate, etc. Jospin se retire, il arrive au quai Mitterrand et il se fait applaudir. Ça, c'est une grande leçon de dramaturgie politique. Le lendemain du premier tour des législatives, mon téléphone sonne. Portable. J'étais en train de faire ma déclaration, ma profession de foi pour le deuxième tour. Et on me dit ne quittez pas. Julien ne quitte pas, Lionel va te parler. Lionel qui m'appelle, deuxième tour, tu vois, après législative, bon, on parle comme ça, etc., on échange, bon, il me complimente sur mes résultats, il me dit c'est bien, je suis content, bon. Attends, là, il venait de quitter la scène. Ah, il est déjà out, quoi, il est parti, c'est législative et tout.
Bon, on se parle, voilà, amicalement. Puis je raccroche le téléphone, et autour de moi, il y avait deux amis à moi qui me disent « Mais c'est qui ?» Je dis « Bah, vous devinez pas. » Alors, en plus, vu mes relations à l'époque, je dis « Bah, c'est Jospin. » Et je dis à tous les copains, je dis « Moi, vous savez ce que je pense ? C'est qu'il sera candidat. » Voilà. Et à ce moment-là, tout le monde me dit « Mais t'es fou. » Je pense qu'il est, comme nous tous d'ailleurs, il est tombé dedans, il ne peut pas s'en passer. Et tu nous conseilles de jouer qui, toi, pour 2007, dans le camp socialiste Toi, tu joues Fabius, c'est Hollande, ça Tu joues Fabius. Non, non, il joue Arlette. Non, non, dites-nous, on va le coincer, là, on va le coincer. Ah, on est tu ne joues pas Fabius. Jean-Paul m'a parlé d'une déclaration de toi sur... Tu ne joues pas Fabius. Sur l'extrême gauche. Mais Julien, France, permets-moi. Tu ne joues pas Fabius, hein. Mais pourquoi tu veux tout de suite qu'on joue quelqu'un? Bon, tu ne joues pas Hollande. Ah, France, tu joues Langue. Tu joues Langue. Non, mais fais pas les procureurs. Non, parce qu'il est pour Hollande. Non, mais attends, je suis sûr qu'il est pour Hollande. Attends, stop. Non, il est pour la candidature d'Hollande, je suis sûr. Stop, tu vas pas refaire quand j'étais gamin et que je venais juste d'être élu député et que t'arrêtais pas de me martyriser la télé en me demandant tout de suite des réponses. Donc je te répondrai pas. Maintenant j'ai appris la langue de bois, je te répondrai pas. Voilà. C'est bien, Julien. C'est vrai qu'on s'est connus. Je suis si mieux que ça, non tu sais, France, Julien, je t'ai connu. Martyriser la télé. Je t'ai connu à lunettes noires. Ouais. Et c'était les premières. Qu'est-ce que va être la stratégie? Tu préfères t'associer avec Arlette Laguiller qu'avec Bayrou pour les prochaines élections. Mais attends, Bayrou, d'abord, est-ce que Bayrou, il dit qu'il est prêt à s'associer avec la gauche? Tu l'as entendu dire ça? Non, mais non. Bon. Bon, et en général, il quand même... Voilà, le jour où il dira. Non plus, hein. Il vaut mieux que la gauche, cette gauche-là. Non, Arlette non plus, t'as raison. Non, mais Arlette, c'est autre chose, tu veux. T'as une famille de gauche avec des Ouais. Mais je crois que c'est ça, Julien. Alors, t'as une famille de gauche avec des gens qui représentent des choses petites, grandes, moyennes. Le PS a récupéré les voix du PC autrefois, on trouvait pas ça scandaleux. Alors justement, il me semble. Je prends des saucières, Et ça, je crois que ça, si ça merde beaucoup, du pot sur table et tu ouvres. Et tu leur dis, c'est des petits champions de Paris. Refaire ce que Mitterrand avait fait, c'est-à-dire le baiser de la mort. Voilà. C'est-à-dire, je m'associe avec eux pour les tuer. Ouais. Je vais te donner un exemple, parce que puisque tu me cherches là sur ce coup-là. Je les ai pressés. Non, mais écoute-moi. Non, mais oui, d'accord, mais moi j'étais jeune, à 15 ans, j'ai adhéré parce que j'avais une prof de français qui m'a donné des livres à lire. J'étais trotskiste. Ouais, c'est Mitterrand qui t'en a retenu. Et bien, Mitterrand a ouvert la porte. C'est-à-dire, il m'a permis de comprendre, à un moment donné, un certain nombre de choses, et donc de tourner la page et d'aller au Parti socialiste. Pourquoi je ne referais pas ça, moi, avec des jeunes générations aujourd'hui qui peuvent être tentées par une phraséologie, une radicalité, une certaine romance que peuvent représenter ça se tient. Et une romance. Il est très convaincant. Hein. Pourquoi je ne tendrai pas la main? Je ne dis pas que moi... Attends, s'il s'agit de faire... Tu te prends pour Mitterrand? Non, okay, je ne peux pas, tu sais bien. Je te dis pas que je vais signer un programme avec Arlette Laguiller. Rien du tout. Je ne dis même pas que je vais gouverner avec elle, quoi que ce soit. Cet argument est bon. Donc je dis simplement qu'au deuxième tour de l'élection, je leur dis, je les prends leurs propres mots, ils disent qu'ils sont contre la droite, faut voter pour la gauche. Voilà. Et si vous votez pour la gauche, vous serez dans la famille. Si vous votez pas pour la gauche, ça veut dire que vous n'avez plus rien à voir avec nous. Ouais. Voilà, c'est tout. Mange, Bernard. Fermons la parenthèse. Mangez, André. Bon. Christine. Oui, mais le seul problème, mon vieux, c'est que je crois qu'ils vous haïssent d'une manière totale et irrémédiable. Moi, au début, quand j'étais gamin, mais Mitterrand le détestait. Je me rappelle, on apprenait dans les écoles de formation son numéro de Francisque. Et on récitait, quand on allait polémiquer avec les socialistes, on leur récitait le numéro de Francisque, on leur récitait Mitterrand, c'est la guerre d'Algérie, etc. On les détestait à l'époque. Pour nous, c'était les sociotraîtres. Hein. Ouais. Mais je crois que Mitterrand, c'est un cas unique. C'est en effet... probablement... moi, je l'ai connu Mitterrand dans les années bien avant. Hein, ouais, c'est vrai. Bon, 73, 75, etc. Je crois que c'était le leader politique le plus impopulaire à gauche. À gauche et à l'extrême-gauche. Dès qu'il y avait un peu de radicalité et un peu d'authenticité, il y avait mépris pour Mitterrand. Hein, c'était l'homme le ministre de l'Intérieur de la guerre d'Algérie, c'était la Francisque, c'était tout ça, c'est vrai. Et c'est l'homme aussi qui a réussi ce baiser de la mort à l'endroit des communistes. Moi, je crois que ce genre de configuration, ça se reproduit pas beaucoup de fois dans l'histoire. Ça se reproduit tout le temps. Mais je pense que le destin de Mitterrand, il est exceptionnel, il est particulier. C'était ça qui était très émouvant dans l'inauguration du Quai. Bon, après, on peut critiquer Mitterrand sur bien des aspects, des choses. Mais les images du film qui a été diffusé, elles ont ému tous ceux qui étaient là, parce que la puissance de la personnalité de François Mitterrand, sa puissance intellectuelle, elle ressortait, et elle était émouvante, parce que tu te disais, des types comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire. Il a laissé quelque chose, hein. L'Europe, la réconciliation de la France avec l'économie, quand même, d'une certaine manière, c'est plus pareil depuis 1981. Si on regarde les choses objectivement et sans s'énerver,
Et il y a vraiment un héritage de Mitterrand aujourd'hui. Alors évidemment, ce n'est pas l'héritage de De Gaulle qui est beaucoup plus considérable, la constitution de la Ve République, la politique étrangère, la défense nationale, etc. Enfin, De Gaulle a laissé énormément de choses. Mais enfin, il a fondé des choses. T'as de la chance. Qui ne vient pas t'as de la chance, parce que... T'as de la chance. Si, si. Julien Drey, l'autre jour, face à Tariq Ramadan. Bah ouais. Pourquoi t'es pas venu? Parce que je débat pas avec Tariq Ramadan. Je mets mon point sur la gueule, c'est tout. Ah ouais? Ouais, je vais débattre quoi? Mais de toute manière, en plus, le débat est impossible avec un bonhomme comme ça. Il n'assume pas ses idées. Dans ton émission, il n'a pas assumé ses idées. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je débatte? Il va dire que c'est pas vrai. Bon, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. C'est comme si tu me demandais, là... C'est le type qui a dit que tu étais, avec d'autres, un intellectuel communautaire. Il a dit qu'il avait enfin... qu'il s'était longtemps demandé pourquoi j'avais passé un an de ma vie à enquêter sur Daniel Pearl. Ouais. Il trouvait ça bizarre. Et qu'il a enfin compris quand il a vu Sharon faire une visite officielle à New Delhi. Ah oui. Et qu'il a compris par conséquent que je préparais le voyage de Sharon en Inde. Par, ouais. Par ce petit livre qui m'a pris quelques semaines, comme chacun sait, etc. Ouais. Donc voilà, c'était une déclaration absolument abominable. Et au passage, il faisait une petite rafle où il mettait un certain nombre d'intellectuels, juifs et non-juifs d'ailleurs, et on a presque honte d'avoir... en disant tout ça, c'est des intellectuels juifs charoniens, qui ne pensent pas en fonction de leur tête, mais qui pensent en fonction de leur race. Voilà, au service en d'Israël. Au service d'Israël. Ah ben vous n'avez pas... Oui, c'est énorme. C'est un intellectuel... Alors lui, pour le coup, communautaire à mort. Un intellectuel français musulman, oui. Un peu star d'une partie des banlieues, enfin de la partie radicalisée de la jeunesse des banlieues, et qui diffuse une pensée absolument gravissime. Aujourd'hui, je pense en effet qu'il faut parler avec les petites filles qui portent des foulards parce qu'elles sont sous la loi des pères et des frères. Je ne pense pas qu'il faille discuter avec Ramadan. Et j'ai réfléchi, puisque tu m'as fait cette proposition donc, de débattre dans le journal après mon bloc-notes, et je pense qu'il ne faut pas le faire. L'extraordinaire, c'est que tu as des filles aujourd'hui qui sont voilées, et tu leur dis, vous êtes manipulées, et tout. Elles te disent, attendez, vous êtes gentil, je peux manipuler, je suis en normal sup, je fais mes études, tout va bien, calmez-vous, je ne suis pas manipulée. Oui. Et c'est assez gênant. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire... D'un seul coup, c'est ce que j'ai vu dans ton émission, d'un seul coup, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Tu peux pas lui dire qu'elle est manipulée, la fille, elle est normale, elle est super intelligente, super cultivée. On peut dire qu'elle est auto-manipulée, alors. Auto-manipulée, oui, peut-être. Non, c'est enfin, l'auto-manipulation, fais gaffe, ça devient une stalinien. Une normalienne. Tu dis à quelqu'un, vous êtes auto-manipulée, donc vous êtes coupable, c'est prochain Moscou. C'est quand même beaucoup de bruit pour rien, cette histoire de voile. Moi, je veux pas faire encore la provocation, mais. Ce soir. Ces histoires. Mais non, regarde. Mais non, mais je ce soir. Regarde en Grande-Bretagne. Il y a des, mais c'est pas pareil, la Grande-Bretagne et la France. Oui, non, mais c'est la France. Ça m'étonne toi. C'est la laïcité, la loi 1905. Attends, le point de vue d'une femme sur le voile. J'ai été élevée par une femme voilée au Maroc. Écoute le récit autobiographique qui va suivre. Le témoignage de première main. En direct. Un témoignage de première main. J'ai été élevée par Aïda, qui était une femme voilée au Maroc. Et qui, à la maison, ne portait pas le voile. Et quand elle sortait, elle avait une tenue très élégante avec un petit... ce qu'on appelle un djellaba, avec un petit capuchon et un voile. Et alors? Et on, tout le monde cohabitait très bien. Et il y avait dans la rue des femmes voilées, des femmes en mini-jupe. Et jamais même... Mais peut-être parce qu'il n'y avait pas d'agression. C'est à l'école que le problème se pose. C'est pas dans la rue. Alors, c'est pas dans non, attends. Moi, après, j'ai discuté de ça avec Bernard ce week-end. Bernard me dit, quelle est ta position exacte sur le voile? Et moi, je dis, finalement, si on ne les accepte pas à l'école laïque, ils vont aller dans des écoles confessionnelles. C'est-à-dire les juifs chez les juifs, les cathos chez les cathos, les musulmans... Bon, les filles musulmanes, il n'y a pas d'école, donc c'est un peu plus compliqué. Et il me dit, moi, j'étais d'accord avec toi il y a quelques années, c'est-à-dire on rentre en sabots et on sort en souliers vernis, c'est l'école, c'est la matrice républicaine qui, finalement, on peut arriver avec des voiles, des croix, des kippas. À la sortie, on est des bons Français. Tu m'as dit... Ça, c'est l'idée que j'avais il y a quelques années. En 89. En 89. De... Au moment des SOS. On avait la même idée. Voilà. Je partageais son idée. Voilà. Tu me dis que tu avais changé d'avis. Mm-hmm. Donc, quelle est ta position aujourd'hui? Parce que je pense qu'entre 89, donc l'époque où je pensais comme ça, où je pensais en effet, on entre avec le voile et on sort en blouse grise. Et aujourd'hui, il y a une petite différence. C'est que l'affrontement, pas entre l'Occident et l'islam, bien entendu, mais entre les musulmans modérés et les musulmans radicaux, c'est durci. Hein, entre les deux islams, entre les héritiers de Massoud et les frères des talibans, l'affrontement s'est durci. Et les musulmans modérés nous demandent de les encourager, de les renforcer et d'être fermes. C'est ça le problème. C'est que les musulmans démocrates, les musulmans des Lumières, au Maroc, en France, en Angleterre, etc.,
nous demandent de les aider dans ce combat, les femmes algériennes. Moi, j'ai des copines, Khalida Messaoudi, qui est aujourd'hui ministre en Algérie, qui nous supplie de ne pas céder sur le foulard. J'ai des copines irakiennes, on a des amis en Afghanistan, qu'on a vu avec Gilles l'année dernière, qui nous adjurent d'être courageux, nous, les Occidentaux, et de ne pas céder sur ce point qui pourrait les capitales. Donc c'est ça la différence. En 89, t'avais pas ça. Aujourd'hui, le front de la guerre des civilisations, si j'ose dire, il passe là, entre ces deux... Tu parles comme Samuel Huntington maintenant. Non, Huntington nous dit que l'affrontement, il est entre l'Occident et les musulmans. Moi, je pense que c'est à l'intérieur de l'islam. Et que notre devoir, enfin, ce qu'on doit faire, il me semble, c'est d'aider... les musulmans qui sont en première ligne, qui se font égorger, qui se font égorger en Algérie, qui se font humilier en Iran, et qui nous supplient d'être de leur côté. Et quand on a cette attitude comme ça de soi-disant tolérance vis-à-vis du foulard, on leur porte un très mauvais coup. C'est pas simplement je porte le foulard à l'école, point à la ligne. C'est qu'une fois qu'elle porte le foulard à l'école, si on change le contenu de l'enseignement. Oui. On ne veut plus aller au cours de gym. C'est ce que dit Ramadan. Ce que dit Ramadan, il aimerait une histoire, une géographie, une science, qui soit enseignée différemment. C'est là que le il mettrait le foulard sur la géographie, sur l'histoire, sur la science. Elles vont plus au cours de gym. Elles refusent qu'on enseigne les lois de l'évolution, Darwin, tu vois. Elles refusent toute une partie de notre enseignement. Et c'est là où il y a problème, si tu veux. C'est-à-dire, c'est plus simplement je porte le voile parce que je suis musulmane. C'est qu'en même temps, je veux changer la nature de ce qui est notre espace commun, l'enseignement public, démocratique. Le Ramadan l'a dit, mais je n'ai pas eu le temps de lui en parler. Moi, pour appuyer ce que dit Bernard, moi, je crois ça, parce qu'on est dans ce moment-là. Je pense que le voile est un instrument de provocation utilisé par les courants fondamentalistes religieux pour changer la nature de notre système politique. Quand Sarkozy dit « j'ai invité les musulmans à la table de la République », moi, je ne suis pas contre. Le problème, c'est qu'ils viennent en disant « maintenant, nous, on veut un autre système. On veut un système communautaire. Bah, » Il le disait avant. « On veut un système communautariste. » Oui, mais nous, si tu cèdes là, alors tu changes la nature de notre système. Mais on ne peut pas céder, simplement. On peut aussi parler, récupérer. Mais d'ailleurs alors, je vais vous dire, je vais parler comme Jean-Paul II, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur de Tarek Ramadan. N'ayons pas peur des filles voilées. Et Ramadan, si t'es venu, qu'est-ce que tu lui aurais dit alors? Mais Ramadan, t'as vu comme moi, il ne défend pas ses positions. Il dit « je ne suis pas antisémite », il dit « je ne suis pas ça ». Tu lui dis ça, il dit « mais vous n'avez pas compris », etc. Il n'assume pas ses positions. Ramadan, c'est la stratégie Le Pen. C'est-à-dire, c'est des lapsus. C'est des dérapages contrôlés. Et ce texte-là, c'était un dérapage contrôlé. Ouais, ce qu'a dit Eskelevitch. Pour voir l'effet que ça produit. Est-ce que la bête réagit? Est-ce que le consensus se fait? La bête pour lui, la bête juive, c'est bien ça que... Chacun c'est a sa bête immonde. Ah bah attends mon vieux. Oui, donc le test de Ramadan, c'était ça. Il a fait ce papier pour voir... Tout à fait. Comment... Comme jour info crématoire, c'est pour voir comment ça se passe. Oui, enfin moi, je plaidais pour le diable. Je trouve quand même que Ramadan, il évolue. Il revient de très loin. Il évolue dans le bon sens. Quelqu'un qui évolue. Non, c'est quelqu'un qui évolue d'année en année, il évolue. Ah non, mais attends, il faut dire les choses. Il est l'envoyé des frères musulmans, il est le petit-fils du fondateur des frères musulmans. Attends, on sait tout ça. Ce qui ne veut rien dire. Faux argument, Gilles. Non, pas toi. Toi, t'es le petit-fils de Marcel Cachin, tu vas pas nous emmerder. Mais ça, c'est la meilleure. Le petit-fils de Marcel Cachin, oh le lapsus. Je ne m'en réclame pas. Je ne m'en réclame pas. Si, si, bien sûr que si. Évidemment que si, il le dit. Bien entendu. Le problème de Gilles Herzog, c'est qu'il est le petit-fils de Marcel Cachin et tout ça n'est pas net. Attends, on dirait ça, tu serais furieux. Mais pas du tout. Lui, d'abord, je suis fier d'être le hein. Lui aussi. Lui aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Le fondateur des frères musulmans. Pas pour les mêmes raisons. Il continue. Vous êtes les petits-fils de l'un et de l'autre pour les mêmes raisons. Voilà. Généalogiquement, oui, mais pas pour des raisons idéologiques. Lui, en effet, il est idéologiquement dans la généalogie de son grand-père. Ouais. Ce qui n'est pas tout à fait mon cas. Mais pourquoi il évolue bien, Ramadan? Alors oui, on a coupé la provocation de France. Non, c'est pas une provocation, non. Je pense que c'est quelqu'un qui évolue. C'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, comme tout le monde. Non, je le connais pas, je le lis, je l'ai lu. Puis après, je l'ai vu, effectivement, je l'ai rencontré, mais je veux dire, j'ai lu. Et je trouve que c'est quelqu'un qui ne parle plus aujourd'hui comme il parlait il y a 2-3 ans, ou il y a 5 ans. Eh ben oui, je suis désolé. Mais tu as le phénomène aux États-Unis. Non, mais sur quoi ça m'a... Par exemple, sur Israël, la destruction d'Israël, qui était quand même quelque chose qui revenait toujours dans son discours et dans le type de discours. Évidemment. C'est fini. Si le mec s'est arrêté de vouloir. Ce que je veux dire, c'est pas une évolution, Thierry, c'est simplement. C'est que évidemment, il faut débattre tout le temps avec ces gens-là. Il faut rien. Moi, je l'invitais à la télé, ça m'a été reproché. Il faut rien laisser passer. Il faut débattre. Je confirme. Mais on n'est pas non plus obligé d'avoir une vision apocalyptique. On peut se dire aussi qu'on peut les faire évoluer, notamment en débattant.
et en débattant de manière dure. Ouais. Il ne s'agit pas non plus de Je crains qu'il ne soit aussi malin que toi ou moi, et ce n'est pas lui qui va faire évoluer dans le gentil sens de la démocratie. Ce n'est pas comme tu ça. Sais que tu c'est pas la petite fille au foulard. Dans le métro, on a dit le droit de rien faire. Défense de cracher du sang, défense de fumer des harangues. Les places lampanées 7 et 8 sont réservées aux squelettes et aux lépreux et aux jésuites par ordre de priorité. On sort et là il faut qu'on jette les cadavres dans la corbeille et au Luxembourg, c'est pas mal. Violent, très violent. On n'a pas le droit de brouter l'oseille. Faut tenir les cercueils en aide, faut pas marcher sur le curé. Et pour se reposer à la fesse, faut que ta chaisière se soit étirée. Allô ? En quatrième étage. Je sais pas, on va boire un petit café, on aura le petit dessert. On va pas vous déranger. Je vois la gueule de Victor Hugo après, et je décide, je serai Victor Hugo. J'ai décidé très tôt, je serai Victor Hugo ou rien. C'est des phrases qui sont retenues à charge contre nous. Ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché. Si Thierry monte cette phrase-là, ça n'a pas marché. Tu la trimbales jusqu'à la fin. Oui, mais ça n'a pas marché. T'es pas loin. Ça n'a pas marché. Beaucoup de travail. J'ai rêvé à la troisième. Absurde. J'ai encore trois vies pour y arriver. Salut, tu vas bien? Salut. Hey. Oh, voilà la surprise. La surprise. Donc d'abord, Samir, qui était l'assistant de Bosna, qui a sauvé la vie de Bernard. Salut. Voilà, il a sauvé la vie, quoi. C'est fort. Et Marc Villemain, qui vient d'écrire le livre sur Bernard. Monsieur reçu, Lévy. Que j'ai reçu dans Tout le monde en parle, et tu as été très bien. Aux éditions Plomb. Assieds-toi. Gilles. Ouais. Asseyez-vous. Gilles. Salut, Sam. Gilles. Très heureux de vous connaître, en fait, parce que je ne savais pas que vous étiez à Paris. Et quand j'ai su que vous étiez à Paris, j'ai dit, je vais l'inviter, parce que c'est marrant, un mec dont on parle dans ce bouquin. En plus, j'apprends que vous avez sauvé la vie de Bernard, etc. Comment vous lui avez sauvé la vie, alors? Allez-y. Non. Samir était déjà un des vrais personnages de la résistance de Sarajevo. Hein. Il a été l'un des premiers à prendre les armes en avril 92, à l'époque où Sarajevo a été bombardé par surprise, où personne n'y croyait, etc. Il a été parmi les jeunes gens qui ont tout de suite pris les armes, ont commencé à faire le coup de feu et ont tenu les Serbes à distance. Et puis il avait déjà une petite expérience, donc quand on a tourné Bosna, c'était quoi, début 94 ? Une petite expérience de la chose militaire, à quoi il n'était pas prédestiné, puisqu'avant il faisait un tout autre métier. Et un jour, on était allé tourner sur une des lignes de front, au-dessus de Sarajevo, qui était la colline de Gordogne. Mmh. On avait interviewé le général Diviak. Et puis, l'équipe du film est repérée par l'obusier serbe en face, qui commence à nous tirer mollement sur notre petite colonne. Et on commence à descendre en courant, et avec les obus de mortier qui se rapprochaient plus ou moins, puis on descendait, bon, très bien. Et alors, il y a une caractéristique des... Moi, que j'ignorais, c'est lui qui m'a raconté tout ça. Le propre d'un obus de mortier, c'est que quand on croit entendre le départ, c'est déjà l'arrivée. On croit l'entendre partir, ouais. il est déjà ouais, là. C'est, hein, c'est ça. Oui. Et à un moment donné, il n'a jamais su expliquer pourquoi, il courait derrière moi. Il s'est absolument jeté sur moi avec une... On courait dans une tranchée avec une force, mais terrible. Je me suis dit, il est devenu fou. Il se jette sur moi, je suis à moitié étourdi. On entend partir un obus, et l'obus, en effet, est tombé à 20 mètres peut-être, oui, voilà. Ou 10 mètres, enfin, j'en sais rien. Voilà. Et je pense que si on était resté dans le champ, comme tu dirais, on se le prenait. Voilà. Qu'est-ce qui t'a pris d'être occupé de cette Bosnie au départ? Ben ça, ce que Samir dit. Au départ, le premier jour, qu'est-ce qui t'a pris? Le premier jour, c'est que nous étions. Enfin, le truc très bête, ouais. C'est que nous étions avec Gilles et Jean-François Degnaud, je crois, les premiers.
et Doust, oui, les premiers Français non journalistes à entrer dans Sarajevo bombardé, avant qu'on se connaisse. Vous étiez sur le front de Mostar à l'époque. Et là, le spectacle de cette ville, de ces gens vivant dans les caves, de ces enfants terrorisés et traumatisés pour la vie, et ça dans une ville absolument européenne qui ressemblait à Grenoble, c'était quelque chose de terrifiant. Et quand en plus... C'est le retour de la guerre en Europe. Et quand en plus, plus on comprenait que c'était pas n'importe quelle Europe, n'importe quelle ville d'Europe, mais que c'était une espèce de modèle de ce que l'Europe aspirait à devenir, c'était une petite Europe, avec des mariages intercommunautaires, avec voilà, cette espèce... C'était pas la tolérance entre les communautés, c'était la mixité. Tu es marié avec une Allemande qui est quoi, qui est protestante, catholique? Vous savez, je suis très content, enfin, surtout de retrouver Bernard. Parce que Bernard, il a, je pense, sur tous les champs, un peu, enfin, changé et bouleversé ma vie. D'abord, c'est grâce à Bernard que j'ai connu ma femme, qui a travaillé avec Bernard, qui est allemande et qui a quitté Paris, qui a quitté son poste pour venir en plein guerre à Sarajevo et les rester. On a deux enfants aujourd'hui. À notre fils Benjamin, on a donné ce nom Benjamin parce que c'était le héros du premier roman de Bernard. Une amitié, enfin, cette malheureuse guerre, enfin, qui en même temps, qui m'a apporté quelque chose de tellement précieux aujourd'hui, enfin, quand je me rends compte, quand Bernard, j'ai un ami pour la vie, enfin, sans aucun intérêt, c'est pour ça, enfin, je suis très heureux de, à chaque fois quand je le vois, et puis à chaque fois d'avoir de ses nouvelles. Et vous devez, enfin, je vous ai entendu parler tout à l'heure, on attaque Bernard. Vous devez voir Bernard à Sarajevo. Ça, j'aimerais bien que quelqu'un vienne un jour filmer ses regards et ses sourires et cette joie des gens quand on le reconnaît, enfin, quand on le voit parmi nous. On l'aime beaucoup, beaucoup plus que vous. Hein. C'est pas vrai, on l'aime, non. Mais nous, on l'aime beaucoup plus. On l'aime. Au point, on l'aime. C'est assez séduit que tout le monde, enfin, qu'il y ait beaucoup de gens qui l'attaquent et tout ça. Je ne nierai pas ça, je suis d'accord. Ça m'a séduit parce que il y a un moment où les gens trop attaqués me sont sympathiques. Un type aussi férocement attaqué que Bernard-Henri Lévy ne peut pas être foncièrement mauvais, si je puis dire. Voilà. Il aime ça quand même. Hein. Il y a comment ? Il aime être attaqué. Je crois qu'il aime ça. Je ne sais pas s'il aime ça. De toute façon, non, je crois que Bernard, je crois que tu vis avec, non ? Ouais. Très bien. Hein. J'ai lancé un magazine d'ailleurs dans lequel qui s'appelle Toc. On a fait un long entretien avec Samir Lanzo qui sortira en janvier. Très poignant, vif, où on raconte pas le politique de la guerre, parce que ça a été fait bien mieux, mais le quotidien de la guerre. Est-ce que Samir rentre le soir chez sa mère se laver ou pas? Est-ce que voilà, c'est ce genre de choses qui... On est tristé. Moi j'aimerais savoir, Samir. Vous devriez raconter à Thierry l'histoire des fraises. Ouais. Ah oui, l'histoire des fraises. À propos de l'électricité qu'on allume, ça c'est une histoire magnifique. Dans le camp militaire où on dormait pendant la guerre, on avait une petite cuisine et puis il y avait un grand tableau avec un gros pot rempli de fruits. Et il y avait des pommes, je sais pas, des poires et puis il y avait très belles fraises. Enfin, quelqu'un a dessiné de très belles fraises. Et moi, combien de fois, enfin, j'en avais très envie et pendant des journées, pendant des mois, des années, je regardais ces fraises et je me disais à moi-même, si jamais je survis, enfin, si la guerre s'arrête, je vais en manger sans arrêt, enfin, je vais jamais m'arrêter, je vais manger que des fraises. Et puis, bien sûr, enfin, il n'y en a pas. Et puis, à un moment, Bernard va faire le Bosna et je vais venir à Paris l'aider pour son film et assister au montage et après à la présentation. Bien sûr, le premier soir, dès que je suis arrivé, j'ai rencontré père de Bernard. Et ensuite, Bernard m'invite à manger à la maison. Et puis, soudainement, je vois un gros pot rempli de fraises. Puis là, enfin, j'étais et ému et heureux. Enfin, j'allais presque sauter de joie en les voyant. Presque pleurer. Oui, presque vraiment pleurer de joie en voyant les fraises. En plus, j'avais l'impression qu'elles étaient aussi grandes que des pommes. Et alors, Bernard n'avait pas terminé son repas. Les enfants étaient presque, enfin, finis. Alors, on nous propose le dessert. Bernard qui dit non, moi, j'en veux pas. Les enfants également ont dit quelque chose. Non, non, enfin, on n'a pas terminé. Et il ne restait plus qu'Ariel. Et puis, je regarde Ariel qui fait signe. Bien sûr, enfin, je vais en prendre. Et puis là, j'étais soulagé. Enfin, je dis au moins quelqu'un qui va en prendre parce que j'avais l'intention d'en prendre. Je l'ai fait exprès. Vraiment.
Et puis soudainement, je la vois prendre une fraise et elle remercie. Enfin, elle dit, ça va, merci. Et vous pouvez imaginer la honte que j'avais après, enfin, pour en prendre. J'avais presque envie de prendre le pot entier, de le mettre devant moi et de le manger. Mais j'avais honte. Enfin, Ariel en prend une seule. Et ça s'arrête là, bien sûr. Enfin, par politesse, j'ai pris deux fraises. Ouais. Mais j'en avais tellement envie. Et au retour, après, Bernard le sait, enfin, je me suis arrêté en voiture avec, devant un magasin qui était ouvert. J'avais acheté 3 kilos, je pense, que j'ai mis dans mon lavabo à l'hôtel. J'ai lavé et que j'ai mangé comme ça, vraiment, aux toilettes. Mais ce qu'il faut savoir, Thierry, c'est que la Bosnie des années 80, c'était une Yougoslavie en miniature. Le miracle de Sarajevo, ce dont il parle bien dans son livre, le miracle de Sarajevo, c'est que c'était ça. Les commentateurs débiles, les commentateurs disent la Bosnie musulmane. La Bosnie n'a jamais été musulmane. Elle était musulmane, serbe et croate. Et il y a un personnage, moi, que j'ai adoré et qui était un des personnages de Bosna, qui était le défenseur de Sarajevo, qui s'appelait le général Divjak, que Samir connaît bien. On a tourné beaucoup de scènes avec lui et sur les premières lignes où il nous amenait. Le général Divjak, défenseur de la ville soi-disant musulmane, il était serbe. C'est comme si tu avais eu un général allemand défendant Paris contre les nazis en 1939, quoi. Ben si, un général d'origine allemande. Voilà. Il était serbe. Et tout au long de cette guerre, je t'ai entendu répéter cet exemple-là 100 fois. Oui, mais c'était... Et chaque fois, ça déconcerte tes interlocuteurs. Mais c'était tellement vrai. C'est fascinant, ça. Le premier à avoir été déconcerté, c'était Mitterrand. Oui. La première rencontre entre Mitterrand et Izetbegovic à l'Élysée, Izetbegovic, on l'avait chauffé avec Gilles, on l'avait dit, vous devez dire, comme papy est un peu pro-serbe, vous allez lui dire que le défenseur de Sarajevo est un serbe. Et je me rappelle la déroute de Mitterrand, sa stupeur. Mais comment ? Un Serbe contre les Serbes ? Hein ? Comme ça ? Un Serbe contre les Serbes ? Et ils avaient dit oui, monsieur le Président, bien entendu. Nous avons des Serbes dans Sarajevo. Il y avait quoi ? 15%, 20% de la population ? Serbes qui sont restés dans la ville pour la défendre contre... Ce que je sais en tout cas, c'est que dans les consciences individuelles, dans l'opinion publique et dans l'histoire, il y a quelques intellectuels, dont Bernard-Henri Lévy, qui resteront comme le symbole de ceux qui ont refusé qu'on ignore ce qui se passait, pas seulement à 200 km, c'est pas le problème. Glucksmann a raison sur la Tchétchénie aujourd'hui, ça passe pas à 200 km, ça se passe loin. Mais ça se passe, et c'est pas normal que ça se passe dans le silence. Alors, ça a tous les travers, peut-être, le cinéma, ça a tous les travers, la prise de parole, partout, sur tous les plateaux, peut-être, il y a des risques. Mais au final, qu'est-ce qui compte ? C'est qu'on en a parlé, c'est que des gens comme Samir soient là ce soir et qu'ils soient amis avec un philosophe et que la Bosnie aujourd'hui, en France, on a une image voilà, extraordinaire. Merci, hein, c'était vraiment bien, vraiment. Hein. Vous les avez, les bonnes nouvelles. Les nerfs, descendez. C'est un peu figuration, on était un peu à haute. Hein. Ah oui. Pas mal, c'est pas meurtrier du tout. Moi, je trouve qu'il y a plus de dignité à ne rien dire que d'interrompre un type qui en sait plus que nous, évidemment. Non, je trouve c'était, non. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.